Salut à tous, c'est Alex au serveur, on se retrouve du coup pour Hyrule Warriors, l'ère du fléau, c'est terrible, c'est le fléau. Alors, on a dû affronter du coup des vilains méchants, des vilains pas beaux, sauver surtout les prodiges, deux prodiges, on en a encore deux à sauver de l'autre côté, à l'est d'Hyrule. Et les combats étaient franchement compliqués puisqu'on s'est tapé les boss de Breath of the Wild. Ce qui est terrible. Alors du coup, ce que je vais faire déjà, c'est peut-être entraîner mes persos. Et pour ça, je vais faire des petites missions qu'il y a là, genre ça. Sur le fil du rasoir, pas d'apparition d'objet de régénération, défaite au premier coup subi. Ah non, mais ça, je déteste. Ça, j'ai horreur. Ça dit avec Teba, c'est peut-être facile. Mais Révali est revenu. En même temps, il faut que je fasse monter de niveau des personnages avec qui je joue. Mais déjà, même avec Impa et Link, là-bas derrière. Zelda, enfin, tu vois, il faut que... Voilà, la différence de niveau, ça devient terrible. Je vais la faire avec Teba. Et je vais faire la mission d'entraînement de Rijou, après. Et salut Audrey, en direct sur le chat Twitch. Je vous rappelle, si vous voulez me rejoindre sur Twitch, c'est Alex, le serveur sur Twitch. Vous pouvez papoter avec moi, m'encourager, tout ça. Des fois, on a besoin de ça, surtout dans les combats un petit peu compliqués comme là. Enfin. On va voir aussi quels sont nos nouveaux personnages qui vont nous accompagner du coup. J'imagine un Zora et un Goron. Venus du futur eux aussi. Alors, attention. Les gars. Donc là, je vous rappelle, un coup et c'est la défaite. Ah là là. Bien concentré parce que un coup c'est vite arrivé et là en plus il y a des tireurs. Hors de mon chemin. Voilà. Ok. Jusque là c'est bon. Oula. Il me faut des petites disparitions en plus les petits loulous. Et pour finir. Vous êtes où? Où est-ce qu'ils sont? Oh purée. Ils sont beaucoup trop loin. Ah bah non, pas du tout. Il y a un officier Yiga à affronter. Mais il y a encore des Yiga. Putain, l'officier, comment veux-tu? Arrêtez de bouger. Mais qu'est-ce que tu fais? Activer. Alors. Wow, 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 wow. Comme tu dis. Esquive. Bon sang, mais est-ce que tu peux bien viser pour une fois dans ta vie? Voilà. Bon, c'est le genre de mission que je déteste, donc clairement, chut. Oh non, puis sur un giga, on attendra d'être à un niveau super élevé parce que je... Trop dur pour moi, là, psychologiquement, c'est beaucoup trop difficile. Non, j'ai pas la patience, je suis beaucoup trop stressé. J'ai même pas vu comment je me suis fait taper dessus, d'ailleurs, donc...
Ah bah j'ai niqué la cinématique toute mignonne. Peu peu, c'est triste, oui je sais. Entraînement de Rijou. J'ai détesté son gameplay. J'ai détesté son gameplay. C'est pas grave, il en faut. Hein. On peut pas aimer tout le monde. Mais bon. Rijou, Madame Patricia sont spécialisés dans les attaques qui permettent de foncer. Oui, j'ai bien remarqué, mais dans tous les sens, c'est ça le problème. Enfin. J'espère que les autres personnages seront pas trop zinzin non plus. Qu'on aura du gameplay assez intéressant. Hop là. Regarde-moi ça. En fait, faut faire que des attaques fortes, j'ai l'impression. Le reste, c'est beaucoup trop relou. Alors là, attends, chut, bichon. Madame Patricia! Pas du tout, c'était un truc en bois. Allons-y, Madame Patricia. Aïe. Hop. Cryonis. Alphos de feu. Mon dieu. Mais ils sont où? Ils sont par là. Sans. Ah, ça fait qu'un tiers là encore. La moitié du temps, on a fait... Ouais. Faut se presser là, ma petite loutre. Ah bah c'est juste ceux-là, c'est pas des... Oui d'accord. Je m'attendais à des gros ennemis. Je crois que je commence à peu près... à savoir jouer avec. Oula, quel bordel! Oh, oh purée! Allez! Un bon gros ménage là. La même. Très bien. La
Ouais, il y en a pas mal. Le mobline noir. Ah oui, derrière moi. Salut John Abraham. Voilà, Cinétis. Allez. Bon, ça va, j'arrive mieux à la maîtriser en fait. Et quick, bah voilà. Pipou pipou. Pipou pipou. Pipou pipou. Ah, la nouvelle arme. Oh, Link et ses armes, comme d'habitude. Qu'est-ce que je te prends, mon petit? Bah écoute, ça, lance de soldat, je viens de la récupérer, donc je pense que je peux la récupérer facilement. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant? Parce que je me sens pas de... Je me sens pas forcément confiance pour la suite. Donc, un peu compliqué. Ah, regarde. Nouveau combo. Oui, très bien. Voilà, attaque standard, attaque standard en course. C'est ça, en fait. Et les attaques en course, j'aime pas du tout. Oui, c'est en course que j'aime moins. Enfin, ça dépend de lesquelles. Mais celle qui me fait en zigzaguer. Donc, rien d'autre à résoudre. Ok. Oui, alors oui, tu m'indiques forcément... Bon, faisons une simulation. Si je veux augmenter Zelda. Oh, mais c'est pas si cher. C'est vraiment pas si cher. Marrant, tiens. Ça me paraissait beaucoup plus cher avant. Ah bah c'est le cours du rubis, hein, ça évolue. Alors attends, je vais continuer. Non, pas le fil du rasoir. Tuc, 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 tuc. Hors de question. Plein de missions à faire. Épreuve moyenne de glace, par exemple. Enfin, la chaîne des bras. Regarde, c'est fastoche, ça. Qui veut prendre du niveau, là? Allez, Moya. Et on ressortira les fées. Est-ce que je prendrais pas les fées pour... Bref. Elles sont un peu particulières quand même. Les fées pour la mission des gardiens. J'imagine contre une ombre de canon avec la fée. Je suis pas sûr que ce soit du meilleur effet. C'est pas là où je dévoilerai tout mon potentiel. Alors... Bon, ça va être fastoche. Vu la différence de niveau. Ah, d'ailleurs, j'aurais peut-être pu commencer par invoquer les copains. Ah,
On s'arrête. Vous voyez comme je défonce facilement là. Voilà, ça va nous faire plein de petits ingrédients. Vous voyez, je vois pas petite bande de petites crottes là. Ah, des petits cailloux. Oh, mais les copains. Oh, ils sont partis. Attends, on va repasser par là. Voilà, on y va. Ah, le framerate, on voit qu'il galère un petit peu là quand même. Hein. Quand il y a plein d'ennemis. Et boum! Allez, petite noisette. Ah. Il était trop haut. Très bien. On s'envole. Lui, évidemment, pas de paravoile. Il prend des cours au goût. Et qui j'affronte ici? Un Linel. Redoutable créature des montagnes. S'il en est. C'est tout froid. Voilà, attention. Voilà. Aïe, oh non! Bombardement! Bah. Ah voilà. Tu l'as dit, je peux lui faire mon coup? Il n'est pas encore KO, hein. Attention! The brûle! Allez, tu m'as saoulé. Petite noisette. Je te mets une petite noisette et voilà. Petite noisette et cacahuète. Tududu.
Ah, encore. Eh ben, non, non, non. Celle-ci. Voilà. Hop, on ramasse. Tu-du-du-du, tu-du-du-du. Ah, des cœurs, c'est bien ça. Ah oui, ça je veux bien. Bon alors, je vais regarder. Pour restauration des cœurs améliorés, ce serait bien. Ah bah là, je peux en acheter. Qu'est-ce que je peux acheter? Des piments. Il me faut des poissons aussi. Est-ce que... Ah, regarde, il y en a au relais. De piment. Ouais, on peut dépenser un petit peu. Voilà. Et grâce à ça. Waouh. Parfait. Restauration des cœurs améliorés. Et bah, ça fait plaisir. Tu veux que je fasse cette mission là? Qu'est-ce que c'est de beau? En forêt sous la pluie. Ouais, elle est dangereuse encore. Mais tu me diras, faut que je monte mes niveaux. Inox, tout ça. Salut Gripsune. Ça va. Ah, je suis obligé. Je suis obligé. Oui, ça va. Et toi? Oh mon dieu. Ça va. Oh là là là. J'adore les grandes fées. Bon, faut quand même qu'on avance après pour débloquer d'autres personnages. Hein. Je veux toujours débloquer des personnages. Allez, petit temps de chargement. Bon, faut que je reprenne en main. Ok, allez. Non, donne-moi ça, c'est chauve-souris. Glace. Ils sont relous. Alors le problème, c'est que du coup, avec une hitbox aussi large que celle de la fée, tu t'en prends plein la troupinette. Par contre, c'est clair que tu touches tout le monde. Hein. Alors, c'est bon, c'est que c'est la même doubleuse, mais simplement, ils ont modulé un petit peu sa voix. Oh, bah tiens, il y a la divinité là aussi. Marlon. Ou Malron, je sais plus comment il s'appelle. Tu. En avant. Mobline pour chasse la fratrie des grandes fées. Pas très gentil. Mais c'est pas une fratrie, hein. C'est une sororité, je sais pas. Ah!
Ah, c'est bien Marlon du coup. Jonathan me confirme, c'est bien Marlon son nom. Attention, me voilà. Attention, me voilà. Alors Gripsune, tu me dis qu'elles avaient pas de... Je crois que c'était un cadavre. Elles avaient pas de voix dans Breath of the Wild. Pourtant, dans mes souvenirs... Elles avaient quand même pas forcément une voix, mais au moins un doublage sur les intonations, le... Ah, oh, oh, ah. Ça se fait un petit peu loin. Je vais vous rapprocher un peu. C'est bon. Je ne rigole pas. Ah bah non. Oh merde, je me suis fait chipouiller en même temps. Ça picote. Ça picote. Vous m'avez mis en colère. Allez, des bisous et on se calme. Il en faut plus que ça. Aïe. Bonjour monsieur. Trompe pas de bouton. C'était rigolo ça. Par contre c'était un peu trop lent. Oula attends. Arrêtez-y. X. Pas suffisant hélas. Mince. Ah putain, va plus vite. Arrête de voler. Je vais vous donner une petite correction. Ouh, dessus c'est pas une correction, c'est des petits bisous. Arrêtez, Mobline. Arrêtez, caméra aussi là. Ça ne sert à rien, regardez. C'est parti. C'est fini. Qu'est-ce que c'est derrière moi? Ce serait pas... Si, attends. Avec ça. Allez, balance. C'est dur d'être gros hein. Oh là là. Je suis pas encore rechargé. Bon, foudre sur foudre, c'est pas forcément malin. Purée. Alors Gripsune dit, quand j'ai lu qu'il y avait des personnages surprenants, je pensais pas à ce point là. Mais déjà dans le premier, il y avait des personnages très surprenants, donc après c'est peut-être celui-là le plus surprenant. Tellement bien, tellement bien, tellement bien. Bracelet somptueux, ah bah voilà. On augmente encore les armes. C'est très bien. C'est très très bien. Allez. Allons-y. Mmh.
Pou. Alors, ce que je peux faire. Oui. J'ai des trucs à dérouiller ou pas, non? Alors, je vais t'équiper de ça. Et je vais te rendre plus puissant. Voilà. Bracelet somptueux. Très bien. J'ai un peu peur de me frotter au boss. Ah bah regarde, attends, j'ai plein de trucs à faire. Là, il y a un cœur. Ça, c'est bien. Ça fait quoi celui-là? Emplacement pour les plats plus 1. Bon, je n'utilise pas, mais c'est pas grave. D'ailleurs, peut-être ça. Peut-être que je pourrais commencer par faire des plats. Ça m'aiderait peut-être. On va regarder. Qu'est-ce que j'ai comme plat? Vitesse de déplacement plus 10. Oh, c'est sympa, on peut aller plus vite. Esquive, dégâts. Gain d'expérience plus 7%. Ça, tu vois, faudrait faire souvent en fait. Mais voilà qui a l'air délicieux. Ah, bah, je suis entièrement d'accord. Dégâts causés par la foudre moins 50. Je peux faire les deux d'ailleurs. C'est savoureux. Voilà. Gain d'expérience plus 12%. L'effet plus Link? Allez. Oh. Pratique, hein, comme petit hélico. On entend le bruit des fleurs. Ayant vu les créatures divines tomber aux mains du fléau Ganon, nos héros se précipitèrent auprès des prodiges, persuadés de pouvoir encore les sauver. À l'est d'Hyrule, les créatures divines Varuta et Varudania se tenaient prêtes pour faire face à la résurrection du fléau Ganon. Mais des monstres s'approchaient déjà dangereusement d'elles. Pour sauver Mipha et Daruk, qui attendaient à bord de leur créature divine, Link et ses compagnons se frayèrent un chemin à travers les rangs ennemis. Ils vont croiser d'autres personnages venus comme par magie de l'avenir. Pauvre grosse patate. Et donc là, magie. Oh putain, Sidon. Cette fois, tu ne me l'enlèveras pas. Sidon jouable. Oh, amen. Sidon ? Ton petit-fils. Disons juste que je suis venu pour vous sauver. Sidon. Le poisson le plus sexy de l'univers. Jonah Brown qui a reconnu la voix de Donald Renew du coup. Oui, maintenant que tu le dis, ça y est. Alors, il faut sauver Mipha qui est déjà pas très en forme. On va passer. Pourquoi tant de violence?
Allez, tous en cœur. Hop, si je fais comme ça. Bah. Voilà. Eh oh, j'ai pas pu recharger, c'est dégueulasse. Tu mérites un petit bisou. Voilà. Laissez-moi passer, je suis une plante, je ne suis pas un personnage, je ne suis qu'une plante. Ça marche, hein. Ah. Ah là là là. Il y a tout le caca. Examinons les environs pour faire disparaître toute cette crotte. On va voir par là. Oh, il y a un gros débat qui commence dans les commentaires là, à propos de Revali. Revali le pire pour Jon Abraham. Et apparemment c'est le chouchou de Gripsune. Ah, moi vous le savez, je suis pas très fan de Revali. Pas mon copain. Bon, je vais déjà buter les ennemis qu'il y a là-dedans. Prendre le poste, peut-être que ça va nous aider pour trouver un moyen de l'assécher. Il y a un passage après de toute façon. T'es là? Je te vois pas, c'est quoi? Eh bah c'était l'autre, c'était les bombes. Pardonnez-moi. Regardez-moi. Pardonnez-moi, regardez-moi. Bombe. Vous allez vous envoler. Et voilà. Je vous sors, monsieur. Voilà. À moi. Ah oui, les Korogu. Bah comment veux-tu voir les Korogu? Là, je suis tellement gros que... Aïe. Ah, parfait. D'accord, mais je fais comment pour le péter, ça? C'est parti! Après, en termes de gameplay, c'est vrai que Revali, quand même, il est super cool. Pareil pour Teba. Vous m'avez mis en colère! Apparemment, on fait des bisous quand on est en colère ici. Hein. Moi, j'aime bien. Je vais vivre là-bas. Voilà. Oh là là. Une partie seulement a disparu. Il y en a pas d'autres. Oui, d'accord, mais où? Je le vois sur la carte, mais comment j'y accède? Bon, ouvrez bien l'œil hein, si vous voyez un truc qui vous fait penser à un Korogu. Parce que là. Peut-être te rendre utile, toi, Link. Il suffit d'aller là-bas. Derrière vous. Bande de bécasses. Alors, est-ce que je vais trouver avant lui? Par là.
certainement. Oui. Aïe, oh mes cheveux là. Faut qu'on reste du tout, regarde. Ah, ce qui fait chaud ici. Casse-toi, Michel. Laisse-moi faire ridicule. Alors attends, parce que là, les petits chouchous, là ils ont pété dans le vide. Vous m'avez mis en colère. Allez. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, regarde. C'est fini. Il s'en est fallu peu. C'est parti. Hé. Tu m'as sous-estimé. Tu m'as sous-estimé et là je te fais. C'est parti! Un gros coup. C'est déjà fini? Ben oui. T'es en retard, mon Linku. Alors, il y a un œil là. Regarde. Encore? Où est le troisième? Par là. Broum. Allez. Il y a un coffre, hein. Voilà. Je suis peut-être un peu fort, non? Mais non, t'inquiète. Ne sont-elles pas géniales, ces faux-folles, quand même? Et voici la suite. Ah mince, à chaque fois que je me fais avoir, je me cours de boutons. Je ne rigole pas. Allons-y. C'est pas tous les jours que les grandes fées elles viennent nous aider quand même. Enfin, je veux dire directement, parce qu'elles nous aident bien sûr, mais là. Linelle de glace, allez. Oh, eh, oh, oh, oh. On peut se dire bonjour avant ou. Comment ça se passe? J'ai niqué toute ma vie là. Je vais vous donner une petite correction. C'est parti. Allez. Link, tu peux m'aider, hein. Te sens pas obligé de rester là-bas. Ah t'as gros bisous des griffes, c'est exactement ça. Ça fait, il s'endort pas. Super. Avec un gros caillou comme ça, enfin un gros cube de glace comme ça, il faut qu'il passe à côté quoi. Attention Michel. C'est parfaitement inutile.
J'ai vraiment l'impression qu'elle se prend quand même plus de dégâts que la plupart des personnages. Enfin, qu'elle se prenne. Voilà. Tremble devant elle. Attention! Je pense honnêtement, effectivement, qu'elle se prenne plus de dégâts. Et bim! Fouf. Voilà. Et là, c'est bon, on peut rentrer par la trompe. Toujours pas de Korogu. Même là. Non, un petit bout de pastèque. Vous barrez, Micheline? Hop. Hop, on va prendre l'avant-poste histoire d'avoir l'avant-poste et on va vite aller aider Mipha parce qu'elle n'est pas non plus en grande forme. Voilà. Allez. J'arrive, Mipha. Oui, j'envoie Link, parce que quand même... Allons-y. L'ombre d'eau de Ganon. Il est fort. Mipha, sois prudente. Oh, juste à temps. Bon, à part ses dents ça va pas. Les boss non plus, ça a pas vraiment le design. Ils se ressemblent tous en plus. Enfin, je veux dire, c'est tous la même esthétique. Donc là, ça va être encore un sac à PV qui va être très long. C'est de l'eau, donc j'ai envie de faire ça. Allez. Fais-le. Voilà.
Veux-tu arrêter de te faire toucher? D'accord. Aïe. Bon, si vraiment t'as décidé d'être relou, c'est très simple, hein. Putain, vous êtes vraiment nuls, hein, les mecs, vous regardez quand il attaque là aussi. Eh ben dis donc, que de points de vie. Patience. Voilà. Ouais, alors attends. Oups. Le feu, je suis pas sûr que... Hein. Feu sur glace est super efficace dans Pokémon normalement. Mufa, c'est pas le moment. Voilà. Ok. J'ai pu me battre à tes côtés à nouveau, c'est merveilleux. Ah mon petit Sidon. Bon, t'es très grand mais... Ah là là. Quel beau couple. Pou, 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 pou. Ah voilà. Oh, il fait du surf sur un dauphin, un requin. C'est quoi? On va regarder. C'est un requin, hein. Ou enfin un poisson. Attention. Oula. Et les dauphins, c'est des mammifères d'ailleurs, c'est pas des poissons. Oh, la Micheline. Redoutable, Sidon, hein. Parfait. Ah, c'est de la déco. Ça se pète pas. Oula, un Magrock. Bon, bah allez, on va péter la gueule au Magrock. Vite.
Il est là. Ah, oh, c'est pas vrai qu'il est pas. Allez, mon poisson. Voilà. Et je fais ce que je peux. Voilà, le Magrock. La musique des Magrock. Et je suis un Pokémon d'eau, hein. Roche-feu. Dessus. Il monte pas. Comment je fais du coup? Plou 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 plou. C'est loin d'être fini, tu sais. Et je peux voir un peu ce qui se passe ou comment ça se passe? C'est à moi de jouer. Aïe. Oula. Grande fée va pas très bien. Il est éteint. Bah voilà, complètement. Sidon. C'est cool, c'est qu'ils s'appellent tous du coup, enfin sauf Link vu qu'il parle, il parle jamais ce con. Et quick. Tahiti douche. Continue. Aïe. Je vais pouvoir souffler. Je vais pouvoir souffler un peu. Mobline de feu, je m'en fous. Moi je surf. Oh putain. C'est trop lourd. Petit octo là. Ok. C'est un peu...
Voilà. Pouvoir de la glace. Il a enchaîné en un tour quoi le l'attaque du point faible. Allez, on garde Sidon. Puis bon, Zora et Goron, c'est un beau mélange, hein. Hommage à Ocarina of Time, bien sûr. Oui, j'arrive. T'es pas trop mal en point, comparé à Mifa tout à l'heure, ça va. Putain. Il me fait me barrer. Mais il respawn en plus, j'ai l'impression, c'est con. Lunel de feu, ok. Juste avant. Alors, mes bichons, vous allez au moins venir en soutien mental. Moral, tout. Soutien partout, soutien gorge aussi si tu veux. Allez. On s'arrête. Quelle puissance! Quelle esquive! Quel beau gosse! Mais c'est Sidon, c'est pour ça, c'est le meilleur. Ouais, je me dis Sidon, il va pas être jouable parce qu'il est dans le futur forcément, mais voilà, grâce à la... espèce de... Oh, ouais, bouton! Dommage. Ça va de ne pas louper l'attaque non plus. Ça y est, voilà, j'ai perdu mon mojo. C'est juste, hein. Sur le petit sabot. Sors. Voilà, reviens. Bah, il en met du temps, Link. Et Micheline juste derrière. Alors Micheline, c'est peut-être pas forcément une bonne idée parce que elle prend de la place. Mais elle est tellement mignonne, tellement sexy. Oh, mauvais. C'est pas grave. Ça a coupé sa course. Hop, doucement. Et Squeakou! Même pas monter de niveau quoi. Ouais, bah il est pas si en forme que ça, Jean-Michel là. Les pommes? Ah, c'est gentil. Méchant doigt. Oh, ça coupe.
C'est pas le moment de paniquer. Oui, vous avez raison. Ça sert à rien que je vienne vous sauver. Si au final, c'est vous qui me protégez. Du coup, j'entends South Park maintenant. Ouais, bien parlé, gamin. Et maintenant, on va lui faire sa fête. À la rigueur, c'est celui qui a le plus de style, je trouve, celui-là. Avec ses cheveux un peu hirsutes, là. C'est bien, tu t'es trompé de bouton déjà, t'as déjà gâché une pomme. Oui, en plus tu te plantes quand tu... Et t'as plus de gel, super. Elle est belle la France. C'est injuste que je puisse pas faire venir Link et la fée quand même. Ou jouer avec Daruk et Yunobo. Allez. Voilà. Déjà, et de 1. Ouh, purée, que ça va être lourd. On a un petit bonhomme. Quoi? Ah non, c'est bon. J'ai cru que ça avait rien fait. Bon, électricité. Y'a plus? Feu, bah ça va pas non plus le... Te cours pas de bouton, c'est important. Avant qu'il puisse attaquer. Ah. Mais le feu, c'est pas très efficace sur moi. T'arrêtes, oui. Ok, on a battu un peu plus de la moitié de ses points de vie. Ah purée de merde! Et arrête de te tromper de bouton, chiotte de bique. Bien sûr que ça te fait mal, c'est du feu. Putain de merde! Plus de soin. Putain, il enchaîne. Sale bête. Tant pis. Ça me fait même pas passer sa jauge. Oh purée, je vais crever comme une crotte. Reste concentré surtout. Vas-y, y'a pas du soin sur son. Sur son petit vaisseau là. Putain de merde! J'esquive, sérieux! Je vais pleurer hein, quand je vais perdre. Cours. Michel, cours. Vire-le, mais vire-le. Voilà. Que dalle, y'a pas un petit. Un tout petit truc de vie, de je sais pas quoi. Putain!
Elle n'avait pas arrêté. Alors attends. Si je fais réessayer, ça me met où? Ça va, ça va. Après, ça va, ça va. Il me renvoie pas. On va sortir Link. Oh mignon. Ah oui, ça fait mal, Michel. Putain de... Hey. Oh. Voilà, ça, il aime pas. Je me demande si l'expérience que j'ai gagnée avec Sidon, du coup, durant ce combat, est morte ou pas. Il n'y a pas d'expérience, en fait, vu que je l'ai pas battu le dernier. Donc, j'ai ma réponse de merde. Ça, cette attaque-là, elle me saoule. Et ça, c'est cadeau. T'es où? C'est l'autre bouton, putain de pomme de terre. Allez. Bien mieux là, hein, on est bien mieux. Attends, j'ai beaucoup plus joué avec Link qu'avec Sidon. Ça fait apparaître sa jauge quand même, hein, le sceptre de feu. Putain, sérieux. Putain, j'aurais dû me taire. On est en train de se faire griller là. Esquive. Je trouve que ces patterns se ressemblent beaucoup, du coup j'arrive pas à dire si elle fait une attaque courte ou une attaque longue. Putain. Voilà. Quick. Ok. Bouton. C'est bien, bonnes esquives. Typiquement là je me suis fait griller inutilement. Allez, vas-y, vas-y, pète sa marouflette. Bien, c'est bon, coup final. Ouh. Bah c'est du sport. Allez. Eh ben... Bon, on a eu Sidon, hein, c'est le principal.
comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que je vais virer? Là, j'en ai deux. Épée Zora. J'en virerai 6. Hein. On dit une cacahuète. Hache de bûcheron. Non, je garde. Voyageur, je l'ai souvent. Ça, je l'ai jamais vu. Ça, je crois que je l'ai assez souvent. Encore une. Oh, purée. Hache de bûcheron? Je sais pas. Ça, j'en ai eu plusieurs. Ça me saoule de devoir vendre des trucs, sérieux. Velouté de poisson. Miam, ça me donne faim. J'ai envie de choucroute. Bon, voilà une bonne chose de faite. Merci bien, Link. On fait une sacrée équipe. Un petit gars. Toi, c'est Yunobo, c'est ça? Eh ben, je te remercie aussi. Si j'avais été tout seul, j'aurais été dans un sale pétrin. Tout de même, comment est-ce possible? C'est vraiment toi, petit frère? Ouais. Ouais, c'est vraiment moi. Enfin, vous n'allez peut-être pas nous croire si on vous dit qu'en fait, on vient du futur. Ah, j'ai envie de savoir c'est quoi ce délire là. Ouais, faudra qu'on en reparle. Mais pour l'instant, on a des problèmes plus importants. Où est la DeLorean? Princesse, faut nous raconter qu'est-ce qui s'est passé au château. Eh bien... Mon père est mort. Grâce à l'aide de Sidon et Yunobo, apparus soudainement dans les créatures divines, Mipha et Daruk purent être secourus sans encombre. Mais les réjouissances furent brèves. Apprenant que le château d'Hyrule était tombé aux mains de l'ennemi, Mipha et Sidon partirent aussitôt prêter main forte aux soldats qui résistaient toujours à la forteresse d'Akala. Pendant ce temps, Daruk et Yunobo remontèrent à bord de Varudania pour affronter la horde de gardiens qui avançait vers nos héros depuis le château d'Hyrule. Allez. La petite séquence de destruction. J'aime bien Daruk. Allez. C'est quoi l'objectif? Protéger jusqu'au bout la ligne de défense ennemie. Ok. Alors, team Daruk ou team Darunia? C'est ça la vraie question. Vous devez me dire. Je sais pas qui je préfère, moi. Vous planquez là, les mecs. Moi, je te vois. Nel de malheur. Ils peuvent rivaliser quand même avec des putains de trucs, hein.
Le jeu qui se transforme en Tower Defense, quoi. Ah. Bon, d'accord, hein, il pop devant moi comme ça. Derrière. Oula. Aïe aïe. Putain. Wow. D'accord, détruire le pont. Chiotte. Je peux le détruire d'ici. Le pont, la question me raconte pourquoi tu me remets détruisé le pont. Ah, il y a un autre pont. Qui approche là-bas, là. Il y en a un qui se planque. Putain, qui se planque. Ça, j'aime pas. Allez! C'est la guerre! Je vois mal d'ici là. Bon. Ça va bien 5 minutes, hein. Mais qu'est-ce que tu tires en haut là? Mais qu'est-ce que tu... Mais qu'est-ce qu'il est con ce machin! Descends ta tête! Ah bah c'est très utile, tiens. Toi tu saoules. Toi aussi. Oh mais sérieux! Putain mais allez voir chez les papous. Bon, ce pont là. Ouais, Jean-Michel Caméra, comme tu dis, Jonah Brand, c'est moi qui la dirige en même temps, mais. Pas toujours évident. Ok, pont détruit apparemment. Nous avons poste ennemi maintenant. Et je peux pas reculer, ce serait pratique de pouvoir reculer en fait. Comme ça je peux tirer vers l'arrière. Tiens, toi ça crotte. Il était bon, il était mort. Attends, toi déjà. Yeah.
Voilà. Quelle galère. Purée. Elle est pas facile à manier une salamandre, hein. À ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'on m'appelait. Et quand j'ai cherché d'où provenait la voix, j'ai vu ce monstre qui allait te tuer, Mipha. J'ai voulu voler à ton secours, et en un instant, je me suis retrouvé à l'intérieur de Ruta. C'était grâce à ton pouvoir, n'est-ce pas? Merci. Bien. À présent, hâtons-nous vers la forteresse d'Akala. Qu'est-ce qui t'arrive? Allez, viens. Oh, qu'il est mignon. Ah, Astor. Oula. Qu'est-ce que tu manigances? Tu ne comprends donc toujours pas. Ils volent des âmes. Ils sont devenus très forts. Bien plus que je ne l'aurais pensé. Ainsi, j'ai besoin de vous deux. Pour finir, vous allez œuvrer une dernière fois à l'accomplissement de notre grand dessein. Oh, Shadow Link. Fuyez, je vous en prie. Non, je ne peux pas faire ça. Dans ce cas, je vous protégerai même si je dois y laisser la vie. Des sacrifices offerts au fléau Ganon. C'est l'ultime rôle que vous allez remplir. Bon, le rire est bien. J'aime pas du tout sa voix, mais le rire zinzin est bien. Rendons à Astor ce qui appartient à Astor. Rire de zinzin. Sidon, prince des auras. Le prince des auras est le frère cadet du prodige Mipha, venu de l'avenir. Toujours enjoué et positif, il prend ses responsabilités princières très au sérieux. Il se bat pour sauver sa sœur et protéger le royaume d'Hyrule. Et vous voyez, il a même des abdominaux. C'est un sacré poisson. Yunobo, jeune Goron, ce descendant du prodige Daru qui est venu de l'avenir. Autrefois peureux et introverti, il a trouvé le courage de combattre sans peur pour son village et ses amis. Donc un match à Akala. Mipha et Daruk sont de retour. Ça nous fait un sacré roster là du coup. Juste par curiosité. Ah, il y a encore de la place. 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 déjà. Je les aurais mis par par espèce moi du coup. Enfin noyant en plein milieu. Enfin c'est compliqué, j'aurais classé ça autrement. Enfin bref. Alors, oui, regarde, j'ai plein de choses à faire. Je vais voir déjà. Oh là là, attends. À quoi je donne la prio? À Link. Nouveau combo pour la lance. Non, pas la peine. Impa. Allez, un combo.
Une recette, le pot-au-feu. Allez, un bon pot-au-feu. Quelle réussite! C'est fantastique! Ah, si je vois des objets, ça peut être bien de faire un endroit où j'ai quasiment fini le... Voilà, c'est pas le cas, par exemple. Centre d'Yol, c'est pas le cas. Ebra, Akala... Ah, Ordine, voilà, si je fais un truc à Ordine... Regarde. Un cœur max pour Daruk. Cadeau. Oh, je déborde d'énergie. Et là, hop, tac, voilà. Plein de cadeaux. Ah, par contre, je peux plus faire le reste. Ouais, putain, c'est sévère. Allez, Noya. Un combo. Ok, Zezette, tiens, cœur max. Allez, je prends. Je ne peux pas être un fardeau pour les autres. Allez, change tes combos. J'ai du mal à jouer avec toi. Sidon. Je suis devenu plus fort. T'as déjà plein de cœurs, mon petit. Oh, bien, l'anel. Tac, voilà. Encore plus de cadeaux. Allez, Sidon toujours. Suis-je devenu plus Ah non, forte c'était Mipha. Hop, on continue. Du côté des bras. Impressionnant. Une dorade meunière. Oh, les poissons meunières, qu'est-ce que j'adore. Ça me rend ouf zinzin, les poissons meunières. Me voilà encore plus fort. Révali qui chope un nouveau combo. Ok, et là... Eh bah écoute, Link, il peut quand même l'avoir son combo, tu vois. Allez, je te le donne. Franchement, tout le monde parle et lui... Franchement... Et eh ben c'est bon là. Peut-être voir s'il n'y a pas des trucs en boutique. Hop, nouveau combo, ça peut être bien, ça j'aimerais bien. Ah non, là c'est détecteur antique machin. T'auras rien en boutique là mon chéri. Tu n'auras rien en tic-bou. Trop compliqué. Cœur max. Truc d'octo. Et eh ben voilà, regarde. Hop. Je te prends tout. Oh. Ah, est-ce que c'est suffisant les 5 du coup là? Pas du tout. Bah dommage. Là ce gros cœur. Bah oui non mais je le cherche depuis tout à l'heure. Il y a un autre cœur là. Nombre de cœurs de toute l'équipe. Attends, t'as une mission combattre des ennemis et t'as pas un truc qui s'achète en boutique? Non. Ok, bon bah très bien. Eh bah très bien. Eh bah puisque c'est comme ça, on va s'arrêter là. Avant de retourner du coup faire la bataille d'Akala. Bon c'est bien, on a quand même des niveaux assez assez costauds. On est déjà au chapitre 6 hein. J'avance bien dans le jeu mais il est tellement bien. Il est tellement tellement bien. Allez comme d'habitude vous likez, vous commentez, vous partagez. Oui vous abonnez. Et on se retrouve très bientôt pour la suite d'Hyrule Warriors. L'ère du fléau. Ciao.